Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi, Mal Petit Coulant, pour te pour émission Curément Pile là. Émission Tribune Soir, émission ça pour te pour toute dernière actualité et sportive, tant sur le plan local et à l'échelle internationale. Jeudi, on va être capable, rapide, vite, pour nous parler sur le plan local. Actualité, on connaît que j'en saillé et nous pas gagné football dans le pays là, et ça a continué. A posé un pile problème. Nous voilà capable de voir actualité ou à l'étranger puisque tu as gagné match dans 5 championnats majeurs, bien 5 championnats moun plus gardé. Tu as gagné match ball dans première ligue, tu as gagné un bel duel entre équipe Liverpool et équipe Manchester United là, un match que Liverpool rivé remporté 5 goals à 0 avec Yombo Mohamed et Salah qui lui-même t'a marqué dans le match ball ça. Nous sommes capables de voir tout ça dans la Liga puisque dans la Liga tu gagné et match tout dans la Liga tu gagné et donc classico tu as joué et un classico et 256e classico qui t'a joué lorsque nous voyons Real Madrid remporté classique ou ça n'a bien pour y parler et de ça n'a bien tout et pour aller en France. En France c'était un match Jimmy Volsi mais ça déjà monté en bas live là, n'a pas de liche pour capable partager live là, n'a bien pour ouais et ça aujourd'hui dans émission et tribune et sport ou même qui l'a et partager Roberto Duisca et partager Rosy. On partage. Nous allons commencer avec actualité ou c'est pral à l'étranger directement dans Serie A italienne qui était ouais gagné 9e journée qui t'a joué une 9e journée qui ouais que Juventus pas arrivé faire victoire dans 9e journée ça une 9e journée qui commencé depuis en 22 octobre c'est Torino t'a pral capable jouer contre équipe Genoa un match Torino rivé remporté 3 goals à 2 gain Sampdoria t'a joué contre équipe Spezia un match que équipe Spezia lui-même perdu 2 goals à 1 gain et Salernitana qui lui-même t'a joué contre équipe Empoli un match que Sheldon Anderton l'homme Léogan et gagné équipe Empoli qui fait victoire sur équipe Salernitana et 4 goals à 2 Sassuolo lui-même ouais que l'étape et joué contre équipe AC Milan un match que AC Milan gagne 4 goals à 2 gagné équipe Atalanta de Bergame qui t'a joué contre équipe Udinese dans 9e journée ouais que match là fini et un goal dans chacun gagne Fiorentina t'a joué contre équipe Cagliari un match que Cagliari lui-même perdu 3 goals à 0 gagné Verona qui t'a joué contre équipe Lazio de Rome nan, Lazio de Rome pas un problème chez Daniel Anderton Lazio de Rome et fait tomber équipe Lazio de Rome nan, 4 goals à 1 gagné équipe AS Roma qui fait 0 goal partout avec équipe Napolitaine sans pas oublier Inter de Milan qui lui-même dans choc italien dans Inter de Milan et Juventus ouais que match ça lui-même li fini yon gol nan chacun en fond coup d'œil yon nan classement comment ça li même li est soutouye yon classement qui ouais Napoli et toujours été invaincu nan Serie A italienne nan lorsque li gen tête de série avec 25 points deuxième AC Milan 25 points différence plus et 22 moins 9 gen Inter de Milan troisième avec seulement 18 points quatrième c'est bien AS Roma qui lui-même gagne 16 points 5e, Atalanta 15 points 6e, Juventus Mandem côté Lazio de Rome, Mabdou Lazio lui-même li en 8e avec seulement et avec seulement 14 points. Nous gale capable prendre direction Bundesliga pour nous voir qui Jean ça lui-même li té soutouyé toujours dans cadre 9e et jodiya. Gen Mainz qui fait tomber équipe Augsburg 4 goals à 1, Bayern de Munich fait tomber Hoffenheim 4 goals à 0, RB Leipzig ouais que li fait tomber équipe Gudefeit 4 goals à 1, Wolfsburg est tombé devant équipe Fribourg 2 goals à 0. Ouh,
En tout cas, Anderton, pas un problème. Gagne équipe Aminia qui lui-même ouais que il tombé qui devant équipe Bouchon l'autre monde là 3 goals à 1. Gagne en tabelle qui lui-même ouais que il fait victoire sur équipe Bouchon. Manchin Gladbach là un goal à 0. Coloy fait 2-2 avec équipe Bayer Leverkusen. Gagne Stuttgart qui fait un match nul un goal partout avec équipe Union de Berlin Bouchon. Nous-mêmes fait tomber équipe Francfort là. Yon coup d'œil dans classement comment ça lui-même lié n'a pas top 5 là et gain Bayern de Munich qui en tête avec seulement 22 points. Borussia Dortmund est 21 points, 3e Fribourg 19 points, 4e Bayer Leverkusen est 17 points. Gagne 5e non c'est équipe Union de Berlin qui lui-même gagne seulement et Union de Berlin qui est seulement 16 points. C'est comme ça ça lui-même lié. Puis bon buteur championnat c'est Lewandowski avec 10 goals. Gagne Erling Haaland que nous connaît qui blessé qui gagne seulement 9 goals, c'est comme ça, ça lui-même lié, mais pas sur ses 8. Bayer Leverkusen qui lui-même gagne seulement 6 passes décisives. Ligue 1 a gagné match, puisque dans Ligue 1 a gagné derby, c'est une capable de classique qui tape et surtout joué. Jeudi, ça prend fin à 3h, qui pral ouais que Nîmes pral capable de jouer. Donc, c'est comme ça, et ça lui-même lié et programmé là. Donc, en tout cas, nous allons capable de recommencer lui-même. Il était surtout dans le cadre 9e journée. C'est plutôt 11e journée qu'il a joué. Lui-même a gagné. Voilà, c'est 11e journée qu'il a joué. Dans Ligue 1, il y a une 9e jour, une 11e journée qui ont gagné en pile match là dans Ligue. Et Saint-Étienne fait un match nul face avec équipe Angers, 2 goals dans chacun. Gagne Nantes qui fait tomber Clermont 2 goals à 1. Gagne Lille qui fait un match nul face avec équipe Brest là. Et toujours dans 11e journée, Nantes fait tomber équipe Lyon 3 goals à 2. Lens fait tomber équipe Metz 4 goals à 1. Lorient fait un match nul avec équipe Bordeaux Rem tombé devant équipe Troyes-là. Rennes qui lui-même ouais que Sadounet qui lui-même fait victoire sur équipe Strasbourg un goal à 0. Gain Monaco fait tomber équipe Montpellier 3 goals à 1. Gain Marseille qui ouais que il fait un match nul avec équipe Paris Saint-Germain. Un match qui était vraiment intéressant. Un match que équipe Marseille était capable de gagner de même équipe Paris Saint Germain, il y a un coup d'œil dans le classement comme Paris Saint-Germain tout leader là avec 28 points, deuxième Lens avec 21 points, troisième Nîmes qui même gagne 19 points, quatrième Marseille 18 points, cinquième Stade Rennais 18 points, c'est comme ça ça les mêmes lié Monaco en bon 8e avec seulement 17 points. Moun qui gagne plus goal dans Ligue 1 saison ça, c'est l'abordé monsieur Zakap et joué en équipe Stade Rennais qui 7 goals li poukou marqué sous et pénalité David Joël Lille qui gagne 7 goals tout li poukou li marqué youn sous pénalité Wissam Ben Yedder qui lui même gagne 6 goals li marqué youn sous et pénalité moun qui gagne plus passe décisive dans Ligue 1 c'est Simon qui a joué en équipe Nantes qui gagne seulement 5 et passe décisive. Nous allons capable aller directement dans Liga Santander là pour nous voir comment ça lui même l'itérer dans cadre 10e journée et 10e journée qui prend fin jeudi lorsque nous capable jouer avec avec contre équipe Celta de Vigo. Nous comment ça lié Osasuna ouais que le tab joue contre équipe Granada un match qui lui même t'est fini un goal dans chacun. Valence fait 2-2 avec équipe Mallorca. Cadiz tombé devant Alaves 2 goals à 0. Elche fait 2-2 avec équipe espagnole de Barcelone. Athletic Bilbao fait tomber équipe Villarreal 2 goals à 1. Séville passe mais sous équipe Valence là lorsque Levantia lorsque il fait tomber 5 goals à 3. Gain Barcelone qui tombé in classico 256e classico table disputé lorsque Real Madrid prend avance là. Il gagne 99 victoires pour le moment lorsque le Real tombe 2 goals à 1 fanatique Real hier est vraiment content. Betis fait tomber Rayo Vallecano 3 goals à 2. Atlético de Madrid toute fin de match ouais
que li et surtout et fait yon match nul face équipe Real Sociedad là. Real Sociedad qui t'est mené à deux reprises en match là, mais t'es gagné assez ressources. Bravo Chelo Simeone, j'ai t'a fait jeudi à 3h et pral capable ouais ça capable faire avec équipe Celta de Vigo. Yon coup d'œil hier sous classement après déjà 10 journées qui déjà disputées. Real Sociedad gagne tête de série avec 21 points. Deuxième Real de Madrid qui gagne seulement 20 points. Troisième Séville 20 points. Quatrième Betis 18 points. Cinquième Atlético de Madrid en bon 9e dans la charge. FC Barcelone c'est l'Anjouni. Barcelone lui-même il gagne 15 points dans 9e place là après 10 journées dans Liga Santander. Classement buteur là comment il est, Benzema gagne 9 goals, il marque une sur pénalité. Luis Suarez joue Atlético de Madrid gagne 6, il marque une sur pénalité, c'est hier il marque pour équipe Atlético de Madrid là. Mon qui gagne plus passe dans Liga c'est Benzema 7 passes, Traoré monsieur lui-même il gagne 5 passes et Des Serginho gagne 3 passes. Direction première ligue là pour capable à loin qui j'en sa li même li teye puisque te gen yon choc, nous connaissons chaque journée. Nan première ligue là en Angleterre, gagne yon choc, 9e journée qui étape et surtout joué. Yon 9e journée qui wè que gagne équipe Arsenal fait tomber Aston Villa 3 goals à 1. Chelsea fait tomber Norwich City 7 goals à 0. Crystal Palace fait yon match nul avec équipe Newcastle là. Gagne Everton qui wè que li même li et fait tomber devant équipe Watford là 5 goals à 2. Gagne Leeds United qui fait yon match nul avec équipe et avec équipe Wolverhampton et gagnant et donc et Staffton qui fait 2-2 avec équipe Burnley là. Brighton tombé de l'équipe Manchester et City 4 goals à 1 et Brentford recul tombé de l'équipe Leicester là. Leicester qui même recul fait tomber équipe Brentford là 2 goals à 1. West Ham recul il fait tomber équipe Tottenham Hotspur là 1 goal à 0. Choc junior c'était Manchester United et Liverpool. Manchester de Solskjaer qui moi même ouais Solskjaer lui même pas capable d'entraîner l'équipe ça par rapport avec moun que Solskjaer gagne mais Solskjaer il pas use moun yo il pas mettre moun yo dans forme yo mettre moun yo dans place yo Solskjaer lui même pas prendre trop grand chose en d'équipe Manchester United ça. Manchester United pas vraiment équipe cap construit. Manchester United gagne en pile déchet. Liverpool fait tomber équipe Manchester United là 5 goals à 0 en un but sur Manchester United yo Mohamed Salah si même pas fait me défou font triplé dans contre boule ça Mohamed Salah lui-même qui est pas et surtout abdormi même Mohamed Salah déjà pour 10 matchs il marqué 14 goals Keita marqué Diego Jota Mohamed Salah marqué yon triplé dans rencontre boule nous gal capable comment tableau lui-même lié. Chelsea gagne tête de série avec 22 points. Deuxième Liverpool 21 points. Troisième Manchester City qui gagne seulement 20 points. Quatrième West Ham qui gagne seulement 17 points. Gagne équipe Manchester United là qui en 7e avec 14 points. 8e c'est bien Everton moun qui gagne plus goal dans première ligue là pour saison 2021-2022 c'est Mohamed Salah qui gagne 10 goals, Jamie Vardy et Leicester qui gagne seulement 7 goals, Antonio Capjoan l'équipe Samna qui gagne seulement et 6 goals en pile monde d'armes qu'on est dans qui place Cristiano Ronaldo lui-même li et soutouillé n'a pas capable vérifier le vous très rapide mais Cristiano Ronaldo pas même dans top et 20 joueurs qui marquent plus goal dans première ligue là Cristiano Ronaldo pas dans top forme ni en deux équipe Manchester United là Paul Pogba c'est joueur qui bail plus passe dans équipe et dans première ligue là saison ça 7 passes et monsieur lui-même c'est lui bail plus passe dans équipe Manchester United là Mateo Kovacic ancien joueur Real de Madrid là lui-même qui ouais il baille 5 passes décisives cap évolué en équipe Manchester City nous est capable ouais actualité en bref yo gien pile parler en pile fait est-ce que non monsieur Tankou et yo monsieur Tankou Zidane pour capable remplacer yo monsieur Tankou Solskjaer jusqu'à présent
point d'interrogation, nous sommes capables de confirmer et bagage ça. Donc, en pile dossier, Lionel Andrés Messi toujours pour marquer dans la Ligue 1 saison ça, malgré M. Alain été marqué dans la Ligue des Champions la semaine passée, mais ça beaucoup dit en un Pogba te prend carton rouge dans le match Manchester United là, après un tac, il était sous tout fait. Donc, en pile balance, en pile à fête autour de Karim Benzema pour capable de venir remporter le ballon d'or là, jusqu'à présent, parce que et Lewandowski te joue une bonne saison jusqu'à preuve du contraire. Lewandowski a joué un bon niveau football. Jorginho, et donc c'est un pile dossier nous et tout à l'heure. Donc merci avec vous même qui t'a suivi émission Tribune Sport. Nous bon rendez-vous pour prochaine parette émission Tribune Sport. Bonsoir tout le monde.